Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Donc, t'as vu le carton immense, c'est gros. Hein. Alors, si tu fais de la moto, tu sais que cette marque-là, c'est pour la moto. Voilà, donc ce ne sera pas du modélisme radiocommandé. Et on va tout de suite ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est la surprise. C'est la surprise. Ok, je crois que je vais faire autrement. Ça, du coup. La vache. Ah putain, c'est énorme. Alors, bon, bah, y a des cartons dans le carton. Donc on va sortir les cartons. Ça sera plus, beaucoup plus simple parce que là ça prend trop de place. Donc on a ce carton là déjà. Et on a ce carton là. Tu vois, c'est la marque Chad. En général, la marque Chad, ils sont spécialisés dans de la bagagerie en général. Je pense que tu as compris à peu près ce que c'est. Alors ici, voilà, on a des barres de fer. Voilà, une notice. Des supports en métal. De la visserie. Deuxième barre de fer. Et oui, pour le prix d'une barre de fer, obtenez deux barres de fer. Ah, ça c'est cool. Hop. Bon, si je te montre la notice, je pense que tu vas tout comprendre. Hop. Voilà. On va mettre ça de côté. Eh oui. Malheureusement. Par contre, c'est bizarre parce que j'espère qu'ils me l'ont mis. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Alors, c'est bien enveloppé. Attends, on va tout sortir. Et c'est quand même assez gros. Hop. C'est quand même balèze. Alors voilà. Et ben voilà. Ok, bon. Des vis. Donc t'as compris, hein, c'est un top case. Un top case. Du coup, on va l'ouvrir. Ah voilà. Ah ça va, c'est cool, ils me l'ont mis à l'intérieur. Donc, encore un carton. Hop, on dégage ça. Encore bien entendu une notice d'utilisation. Ça, c'est de la bubule. Un support. Voilà, un support. Ça, je ne sais pas ce que c'est, hein, je verrai après. De la pièce pour fixer tout ça. Les clés. Oui, parce que ça se ferme à clé. Et ça, c'est Quality Control. Quality Control. Les gars, Quality Control. Ça va aller sur la moto. T'as compris, hein, c'est un 39 litres. Donc, on est censé pouvoir mettre deux casques à l'intérieur. Ouais. J'ai un peu un doute. Un casque, c'est sûr, mon casque intégral ou même mon modulable rentrera sans aucun problème. Maintenant, mettre deux casques, ça me paraît... ou alors deux casques jet, peut-être.
Mais un casque intégral plus un autre casque, ça me paraît un peu léger. Mais après, moi, je suis tout seul sur la moto. C'est très rare, enfin, ça n'est jamais arrivé en 5 ans, tu vois. Depuis que j'ai la moto, j'ai jamais pris quelqu'un derrière moi. J'aime pas. Voilà. Je sais. J'aime pas avoir quelqu'un derrière sur la moto. Voilà. Et on va ouvrir le dernier carton. Eh oui, j'ai quand même prévu, même si j'aime pas avoir quelqu'un derrière moi, encore une petite notice d'utilisation, c'est très bien tout ça, hein. C'est tout bien expliqué. Donc c'est un espèce de dosseret, hein. Voilà, c'est tout moelleux, tout molletonné. Voilà, et ça, avec les vis, bien évidemment, on va laisser dans le carton parce que j'ai pas envie de mélanger toutes les vis. Voilà. Et en fait, ça se positionne ici. Et du coup, bah, quand tu as un passager, la personne, elle est bien calée, tu vois. Elle a son petit dos bien calé. Donc, voilà les amis, c'était juste une petite vidéo rapide d'unboxing. Je vais aller monter tout ça très rapidement. Je pense que je le ferai en vidéo. Le cadrage laisse à désirer. Voilà, j'avais besoin d'un top case, même si je trouve ça vraiment pas beau. Mais à un moment donné, tu te déplaces quelque part, et après, ben, tu te trimbales ton casque, quoi. Tu te trimbales ton casque, tes gants. Enfin, c'est juste chiant. Voilà. Du coup, je me suis pris un top case de la marque Chad. C'est une très bonne marque. Et je l'ai pris blanc puisque la moto est blanche. Voilà. Quitte à avoir quelque chose de moche, autant qu'il soit moins moche, tu vois. Voilà. Allez, salut YouTube et à bientôt, bien sûr.